Président, cher Michel, Monsieur le Directeur Gérant, cher Paul, Mesdames et Messieurs, chers amis, j'ai envie de dire, 1400, c'est à peu près, d'abord c'est le code postal, chacun sait le code postal de Nivelles. 1400, c'est à peu près l'âge de la ville de Nivelles que nous fêterons, si tout va bien en tout cas, aux alentours de 2035-2040. 1400, c'est à peu près le nombre de logements que la société a sur la ville de Nivelles, faisant de Nivelles la premier partenaire en fait du roman Paille. Je voudrais vous dire que tout au long de l'histoire de la ville, plusieurs associations, plusieurs sociétés ont été créées, et si certaines ont la possibilité de fêter une telle longévité, 95 ans ce n'est pas rien, certains d'entre nous y arriveront, et c'est une bonne chose. 95 ans, donc, c'est parce que, justement, la société est une référence en matière de gestion. Et je voudrais saluer, à travers mon intervention, les différentes personnes avec lesquelles j'ai eu et j'ai la possibilité de travailler. Il y a bien sûr Michel, il y a Paul, mais je voudrais aussi saluer le travail de Guy Van der Rohe, de Bernard Mullen et de toutes leurs équipes. La présence massive des mandataires communaux aujourd'hui témoigne de toute l'importance que nous accordons à la société. Et je voudrais que les mandataires présents, je crois qu'ils sont à peu près une vingtaine, applaudissent non seulement les responsables, c'est-à-dire les membres du CA du Roman Paille, mais également tout le personnel pour le travail qui est effectué. Voilà, je vous invite à vous. Alors, 95 ans, évidemment, c'est une étape, puisque l'anniversaire le plus important aura lieu dans 5 ans, ça sera un centenaire. Il y a évidemment très peu de sociétés et d'associations à Nivelles qui fêtent un tel anniversaire. Je pense d'ailleurs qu'à part l'Académie de musique et le Cercle des 13, donc c'est du théâtre en wallon, il n'y en a pas d'autres. Et donc, c'est dire que la société a vraiment les reins solides, de bonnes bases, et que régulièrement, nous essayons de développer des projets avec le roman Paille. Certains d'entre eux, là je me localise évidemment uniquement à Nivelles, verront le jour sous peu. Et je me permets de voir qu'il y a des personnes qui sont dans d'autres assemblées pour insister, combien insister, comme il est important de faciliter les procédures pour que non seulement les CPS, les communes, mais également la société du roman Paille puissent faire aboutir ces projets. La demande est critique. Le nombre de personnes qui ont besoin d'un logement est extrêmement important. Et ce n'est pas avec des procédures qui nécessitent plusieurs échanges avec la Société Wallonne du Logement que ça va avancer. Les villes sont là. Il y a des présidents de CPS dans la salle. Les CPS sont là pour venir, pour demander un appel, pour faire l'appel du pied plutôt au roman Paille. Mais tout ça, évidemment, est freiné par ces procédures administratives. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je me permets de vous dire aussi, compte tenu que je suis chargé de la sécurité, c'est qu'en venant ici, nous avons reçu une petite information, Michel a reçu aussi, par rapport aux conditions climatiques. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes sur un centre de maîtrise qu'il faut se prendre pour un pilote automobile en sortant tout à l'heure. D'accord ? On annonce du brouillard givrant. Et donc, soyez très prudents, il n'empêche qu'on est là pour faire la fête. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Je vous propose maintenant de partager ensemble le verre de l'amitié. Merci beaucoup.